C'est reparti. Ah, putain, Twitch. Twitch et ses problèmes. Qu'est-ce que c'était? Une certaine personne. Ok, on y va. C'est quoi déjà ma tenue? Ah, ma tenue, elle fait quoi? C'est les armes à feu, je pense. Peut-être pas très très utile là, au final. Les armes à feu. Bref, Saphir. Oh merde. L'équipe de recherche n'a toujours pas été localisée. Ça reste notre objectif principal. Ouvrez bien l'œil. Roger. Roger. Bien reçu. Projet bien reçu. Non, non. Ok, on va où? Sacoche d'explorateur. Je suis pas censé. Quand je fais ça, je suis pas censé voir du bleu. Pour indiquer l'endroit où c'est que. Pas moyen de l'actionner. Ah oui, là il faut le l'arc à poulie, je crois là. Ah. Ces gardes me font penser à MGS1. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors. Bon, ça on ira plus tard. Il y a la cache de monnaie ici. Ou alors on va. On va faire le. Non, on va faire la cache de monnaie, puis après on va aller au camp, comme ça on sauvegarde. Et après on fait le l'ours. Métro Exodus? Oh, on est un peu près de la tête de Lara. Boing. On n'a pas de points, j'ai rien dit. Arme. Non, c'est bon. Okay. C'est bon. Allez. L'heure de combattre l'ours. Il y a The Surge 2 aussi. Hein. Va falloir banquer, hein.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tirer dessus? Je me rappelle plus à quoi ça sert les générateurs. Je pense tirer dessus. Attends, c'est où le... C'est là. Allez, go. Allez, avance. Putain, avance. Comment on change de flèche? Ah, c'est RB. Ok, ça marche. Il est encore là, lui. Il est encore là, lui. On peut se mettre en hauteur? Ah, des flèches. Ça serait pas des gens morts, en fait? Ça, c'est sac de coups de... des sacs à dos? C'est pas des gens morts? Jerrycan sur générateur, boum, ok. Ouais, bonne idée. Putain, faut que j'aille à l'intérieur, t'es sérieux? Ça, c'est vraiment une idée à la con, par contre. Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors. Oui. Ah, cours, 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 cours. Oh la vache. Oh la vache. Viens dans le... Oh merde. J'ai déjà merdé mais... Une flèche. Ça sert à quoi ça? Ok. Putain. On est bon, pas bon, non, pas bon, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu vas crever au bout d'un moment parce que bon là c'est un peu... C'est pas que... C'est un peu abusé mais... Yes! Maintenant tu te fais un manteau. Fabriquer des équipements. Okay. Yeah, on a une peau d'ours. Mais il faut pas avoir la riposte pour la faire au corps à corps. Enfin, pour le faire au corps à corps. Genre, j'esquive et je fais triangle, là. Non, enfin, ça. L'attaque au piolet. Ah, coffre. Pièce de pistolet semi-automatique. Ok. Un peu de lecture. Merci, c'est très intéressant.
Où est-ce qu'on va? Emprunter le chemin suivant Google et chercher la trace. C'était perdu. Ok. Oh la vache. Ok, c'était peut-être une erreur, non? Le prophète en fuite a franchi. Je devrais peut-être retourner au feu de camp pour sauvegarder. J'aime pas trop là. Je pense que ça va être la merde. Ça va être froid. Ah mais tu peux y aller ou pas? Alt pour plonger. Relâcher pour refaire surface. Y a pas la... Ok, ça va. Y a pas la chaleur dans le mode histoire? Parce que je me rappelle que dans le mode survie, il y a la chaleur, la gestion de la chaleur. Là, non. Enfin, pour le moment, non. Après, ça s'appoignait... Là, un peu... Tient mieux dans la main lors des combos et attaques corps à corps avec deux armes, blessant même les ennemis en armure. Okay. Morion il prend tout hein. Argent, nature. Surtout nature. On va prendre ça, comme ça on va tirer des flèches. Je pense que ça... On va pouvoir même tirer des flèches spéciales sans perdre de... Oh, regardez, elle a des hachettes, non? Ah, c'est énorme! Elle a pas des piolets, elle a des hachettes. Oh, c'est super cool! Ah, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Gagner de bonus d'exp. Chaque survie, document et relique. Vous avez une chance de récupérer des flèches sur les ennemis tués à l'arc quand vous les fouillez. Ah, on n'a pas ça automatiquement? Ah, plus gros laisse des empreintes, des traces de sang faciles à suivre. On va prendre ça. Non, il n'y a pas dans l'histoire. Ah, bah ça va être beaucoup plus simple que prévu. Ça va être extrêmement simple. Défi tombeau facultatif à proximité. C'est à droite. Pardon. Ok. Wow. Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là? Magie. Ah, c'est stylé avec les hachettes. Ah, là, c'est mieux quand même. C'est mongol. Mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Je dois pouvoir y arriver. Ok. Si tu le dis.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le Maria Adula est... Ah, faut le faire... ouais. Faut le faire taper. Hop là, très bien. Ah. Où est-ce qu'on va? Gauche? En haut? Nulle part? Nulle part? Il faut complètement casser la glace. Il faudrait le pousser ça. On va monter à gauche. On va voir ce qu'il y a. Une broche byzantine. L'émaillerie est splendide. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. Ah non, 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 ça c'est... C'est le chemin. On peut pas. Pas de coup de main, pas de coup de main. Je vais trouver. Je crie si jamais... Je pense, moi, qu'il faut s'accrocher au bout de bois, là, qui pend, là, sur la droite. Je dirais ça. Enfin, qui, pas qui pend, là, mais qui fait... ça, là. On va voir. Peut-être. Possiblement. Ah ah. Bon alors faut se... Ouais, faut monter dessus. Parce que c'est tellement safe de faire ça. Tout le monde le ferait. Ah, faut sauter dessus en fait. Oui, ça a marché. C'était tellement évident et super safe. Ça me tracasse de pas avoir mes overlays qui fonctionnent. Pour les... pour les notifications. Par contre là il va falloir le baisser. Je vois rien, Lara. Ce contenant, il doit y avoir un moyen de le faire bouger. Bah, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça. C'est peut-être un peu trop, là, non? Oh, d'accord, ok.
J'adore quand c'est chronométré. C'est bon, super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Toutes ces richesses avec eux. Je sais pas. Pourquoi pas? Secret dévoilé. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Compétence ancienne. Alors, tirer rapidement deux flèches successives sans avoir à recourir au carc quoi. Effectuer un tir rapide, appuyer rapidement sur RT et en relâchant après avoir tiré la première flèche. Quoi ? Effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur RT et en relâchant après avoir tiré la première flèche. RT, c'est pour tirer. Ouais, d'accord, ok, ça marche. C'est bon. C'est quoi ça, document? J'ai loupé encore un truc? Ou c'est le document qu'on vient de lire? Non, c'est bon. Yo! Oh mon dieu! Non, on est bon. Pour les beats, je saurais pas dire. Pour les beats, je crois que c'est... Je crois que c'est 100% pour moi. Vu qu'il faut déjà les acheter à Twitch. C'est que les subs qui prennent 50%. Ok, il y a un document sur la rive... Enfin, sur la rive, sur le chemin. Hop, voilà. Oh la vache! T'es sérieux? Non, excuse-moi. Ça serait pas un peu foutage de gueule parce que même moi je respire, je reste plus longtemps sous l'eau. Oh putain. Je dois recommencer. Oh putain, ferme ta gueule. Faut tout recommencer. Une galère de guerre byzantine. Ah, comment elle a pu arriver là ? Je sais pas. Putain, 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 faut tout recommencer. C'est Mongol. Mais ils sont bien passés par là. Ah, c'est débile, ouais. Si t'es perdu. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Allez, go, go, go.
Un bit, un centime, je crois. Salut, Omaloné. Omaloneo. Presque. Le prochain, il sort dans quelques mois, je crois. Le Maria Adoula. Ah oui, je peux pas. Voilà. Oui, ça marche. Je sens qu'on va revenir au feu de camp qu'on aura fait ça. Juste au cas où. Go. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Yes. Septembre, ah bah voilà, pas longtemps. Ça alors, pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux? C'est reparti. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Bon, on a le temps, mais avec tout ce qui sort entre maintenant et fin de l'année, on va être occupé. Hein. On va être grave occupé. Ok, retour au feu de camp avant que... Avant que je fasse un mauvais pas. Ou qu'elle se noie pour aucune raison. Oh le vache. Ouais. Go. On peut déjà le précommander, le nouveau? Attends, je suis pas passé par là tout à l'heure. Si, si. Ok. Ok, cette fois... Comment tu veux que je récupère ça si c'est dans l'eau? Je sais pas si c'est dans l'eau, en fait. Allez, vite. Monte. Tu as... Qu'est-ce que tu fais, Lara? Connasse. Il
il a traversé les terres des Russes. C'est bizarre, pourquoi elle voulait pas... Elle voulait pas remonter dans de l'eau. C'est bizarre, c'est étrange. C'est pas grave. Faut qu'on récupère des baies. Non, des feuilles. Ouais, enfin, c'est des baies, quoi. Complexe soviétique. Lara contre Lara. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. Ouh. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Mais c'est qui elle ? Genre c'est l'ancienne Lara Croft, en fait. Quelques jours, tout au plus. C'est la Lara Croft de la PlayStation. Tu aurais beaucoup d'entre nous. Contre la nouvelle. Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venu faire quelque chose d'important. Je suis sûr que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ah, elle a dû disparaître. Qu'est-ce que... Les cailloux ? Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. Oula, résumé de la région. Oh putain, bah y a un paquet de trucs à faire. Oh la vache. Ça veut dire quoi ça, les cailloux sont mes amis, Saphir? Je peux pas balancer des cailloux aussi? Ok, ça c'est pour remonter. Oui, je sais ça. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Vodka ? Il était là. Vladimir ? La suivante. Personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise. Que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Nos ordres. Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Putain, il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison. Ah, je me rappelle les bouteilles. C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec 3 mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Mais c'est qui en fait ces gens ? Je vais regarder, je reviens. Entendu. Chut.
Bien, 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 bien. Un petit coup de vodka. Toujours bien ça. Je me rappelais en mode survie, je me rappelle. J'utilisais la lampe. La lampe, ça tenait au chaud, je crois. C'était pas mal. Il y en a d'autres qui arrivent. Ramper dans les buissons et cachettes, d'autres vont pas vous repérer. Okay. Comment on fait tomber les bouteilles qu'on a sur soi? Merde, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Avec l'instinct de survie des ennemis visibles, d'autres ennemis apparaissent en rouge, tandis que ceux qui ne sont pas visibles apparaissent en jaune. Ah ouais, carrément! Constantin attend mieux que nous. Quelqu'un va devoir payer pour cette erreur. Occupez-vous d'abord des balles réelles et séparez-les des rations. À mon avis, on sera bien content de les avoir sous la main. C'est peut-être un peu abusé, l'aide, non? Non? Alors. On devrait poser des pièges tout le long du périmètre. Je vais installer quelques jolies surprises avec ça. Prends la vodka. Da. Ah putain, c'est notre pote. On vient de te tuer notre pote en fait. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. C'est vrai que c'est vachement discret ça par contre. Je sais pas. Je crois que le mec il est au-dessus, l'autre. Ouais, sûrement au-dessus. Putain, avance. Merci. On voit quelque chose, pas des clôtures? Rien. Mais la première fois non plus, on les avait pas repérés avant qu'ils soient à l'intérieur. On a un point. C'était censé être une opération de routine. Je sais. La voie est un chemin semé d'embûches, mais les Trinitaires comptent sur nous pour faire de notre mieux. Bouge pas. Personne. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, ça va, c'est simple, hein. Oh la vache,
Calme-toi. Ah, là. Tout ça avec une bouteille dans la main. Ça, c'est le vrai challenge, en fait. Putain, où je vais? Ok, bon. Oh, la bouteille, non! Comment on fait tomber? Ah, comme ça, oui, d'accord, ok. Voilà. Un arc Leader Price. Je crois qu'on en trouve des meilleurs à Leader Price. Ok. Yes! Un revolver. Revolver. Ocelot. Pas mort. Revolver Ocelot. Pas des objets. Ah. Attends, d'abord je dois lire. Voilà. Et après j'arrive, je te sauve. Ouais, le son est pas mal. Du flingue. Changer d'arme. Je me rappelle que dans le mode survie, en fait, les balles étaient très rares, mais là, j'ai l'impression que ça va, quoi. On a déjà 23 balles. Comment ça se présente? Sûr que je puisse stopper cette fuite. Si j'y arrive pas, il va falloir qu'on tope le conduit jusqu'à ce qu'on ait remplacé la vanne. Ça va pas être facile de trouver une vanne de rechange ici. C'est pas le con, là, qui était à la... Ah ouais, c'est lui, ouais. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. Au sarcophage. Autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Doucement. Doucement. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. La gloire de la source divine. Difficulté maximum. Au secours! S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Non! Que personne ne le touche. On a une nouvelle fuite de carburant.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce truc a plus de 50 ans. Je pense que la vanne a lâché. Allez, il faut stopper la fuite. Après cette attaque, on peut pas se permettre d'avoir plus de pertes. Ok, je m'en occupe. Il faut maintenir ça en place pendant que je fais levier. Mais merde. On n'a pas encore ré... J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là. Ça va. On va finir par perdre tout notre putain de carburant. Alors, ça donne quoi? Bouge pas. Tu veux pas? Attention, il y a trop de pression. Vas-y doucement. Ce truc est complètement rouillé. Comment ça se présente? Pas sûr que je... Ah! Attends. J'y arrive pas. Yes. Il va falloir qu'on torde le conduit jusqu'à ce qu'on ait remplacé la vanne. Ça va pas être facile de trouver une vanne de rechange ici. Oh, désolé. Oh putain. Ok, c'est... Con pour toi. C'était pas prévu. C'était pas prévu l'explosion gigantesque. Ok, on va check les corps. Vodka. Non, prends la bouteille. Ah, je voudrais bien avoir Lucille. Yeah. Constantin, l'homme qui a tenté de m'éliminer en Syrie, est ici. Il est violent et dangereux. Mais le pire, c'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Esquive contre-attaque, ça va être bien ça. Apparemment, il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Ah merde. Mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait... Cadence de tir, tape. Via la radio, ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontrés? Et que sait-il? Les Trinitaires ne seront pas tendres pour le découvrir. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. Qu'est-ce que... Pourquoi je prends de l'expérience à chaque fois? Putain, qu'est-ce qu'on va prendre comme arme? Fusil mitrailleur avec gravure nostalgique. Et putain, il est super stylé. Il est ultra joli. Le Uzi. C'est un Uzi, Oui, c'est un Uzi banal, mais... il est super stylé. Après, on a ça. Ça, c'est peut-être un peu gros. C'est même pas un 9 mm, c'est quoi, ça? Semi-automatique noir mat. Après, on a ça. Faudrait une bonne cadence de tir en fait. Mais peut-être pas le Uzi quand même. Peut-être celui-là.
un K-47 ou un Fatman. Je pense qu'on va prendre celui-là, c'est une sorte de, je sais pas, je pense que c'est un 9mm banal. Après on a semi-automatique, cadence de tir élevée, ça sera pour plus tard. Fabriquer projectiles d'émission plus rapidement. Poids plus, m'atterrissez sans vous blesser après avoir sauté d'un haut. Appuyez sur B pour rouler quand vous touchez le sol. Le flingue de l'inspecteur Harry, putain, ouais, ça c'est. Elle tire et elle se pète les poignets, quoi. C'est un samouraï Edge. Détruire ça. Un rosaire. Ces billes ont été polies par les frottements. Ok. Bizarre. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Oui, le gros, ça doit être un 44 Magnum, je pense. Le gros à bariller, là, énorme. Alors, si tu passes par là, tu vas te faire voir. Donc on fait par là, c'est ça ? Merde, j'achète la compétence pour faire la roulade et j'oublie de la faire.